nouveau jeune explorateur que j'étais, une nouvelle contrée m'ouvrait ainsi ses bras. Grimper ces monts, visiter ces ruines et découvrir la ville de Liyue fut ma plus grande joie. Tant de secrets et de paysages à couper le souffle composèrent mon aventure tout autant que la rencontre de personnages mystérieux. Certains se révélant être des ennemis, quand d'autres, à l'allure insignifiante, cachaient en réalité rien de plus que le statut d'un dieu. Ma quête en ce lieu se termina par l'affrontement d'une hydre anciennement scellée dans les profondeurs de la mer de nuages. Je fus très vite dépassé par les événements face à ce monstre, mais c'était sans compter sur l'aide précieuse des adeptes pour l'empêcher de faire des ravages. Après m'être battu dans les cieux, je m'enfonça dans un cratère gigantesque issue, selon les dires, de la chute d'une étoile. J'y découvris un autre clou divin, ainsi que des révélations sur mon jumeau. Mais pas le temps de m'apitoyer, il était temps pour moi de mettre les voiles.